C'est un rythme qui n'est pas satisfaisant, ni pour le gouvernement, ni pour les usagers qui sont nombreux, exigeants et de plus en plus exigeants, comme vous le savez. De 2019 à nos jours jusqu'à l'année prochaine, je pense comme rendement, pour utiliser le terme de ministre, c'est pas très fort. C'est pas très fort et tout ce qu'on peut vous demander, c'est de travailler. De travailler comme vous savez le faire. Il faut travailler d'arrache-pied parce que là, dans un an, je suis même pas sûr. Un an, 31 juillet 2024. Ce sera pour les usagers, les riverains, tous ceux qui utilisent un pont, attendre la livraison d'un deuxième, c'est un calvaire. Et vous-même, vous le savez. Donc j'espère que notre visite va être un élément déclencheur d'encouragement pour vous booster encore à travailler un peu plus. Nous, on va faire notre part du travail. Ce qui nous reste à faire, c'est le problème d'emprise. Là, il faut qu'on s'y attelle rapidement pour vous permettre simultanément de travailler aussi de l'autre côté, et en même temps que vous êtes sur le pont. On va faire notre part du travail, Charles. Tous mes encouragements, il faut continuer. Merci.